Bonjour à tous les amis, c'est AlloPrestoxis. Et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le The Dollhouse. Mais voilà, je l'ai intitulé The Dollhouse 2. Pourquoi? Bah parce que c'est l'entre deuxième et troisième monde. Donc allez, c'est parti, on va voir ce que... La musique qu'il y a surtout. Et les dessins. Parce que l'anglais... Laisse tomber. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play dice. Qu'est-ce que sont cool, les musiques. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. Allez, c'est parti. C'est quoi la petite histoire? Il y aura encore Monsieur Tasse? Ouais, je vous laisse lire en même temps. Hein. Parce que moi, l'anglais... Si vous êtes pas à l'aise, hein, allez-y, faites-vous saisir. J'ai peut-être appuyé un peu vite pour le dernier. Bah alors. Ça semble être une ville. Là, faudra sûrement faire celui-là pour débloquer celui-là. Plaque de Lego. Oh, une plage. Avec un monsieur pirate. Vas-y, donne des cadeaux. Ouais. Je peux pas taper. Ah, vous avez compris. On va pas donner des cadeaux. On va faire un bateau. Une fois que le bateau aura coulé, bah le pont-levis va s'abaisser parce qu'il devra plus passer. Bon bah on voit pas l'autre bout, hein. Maison là aussi. Ouais, bah comme l'autre on n'a pas encore grand chose à dire. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo. Je lui ai parlé à lui, ouais. C'était une petite vidéo pour vous montrer surtout l'entre-deux, le truc, les dialogues là, de là-bas entre les gens. Hein. Même si moi je le lis pas parce que je piche pas l'anglais. Et comme je disais dans une autre vidéo, j'en ai entièrement pas du tout. Ça m'est complètement égal. C'est pour ça que j'avais une très mauvaise note quand j'étais à l'école. Puisque c'est toujours une langue où personnellement on m'a toujours imposé en cours de l'apprendre. Alors que j'en ai rien à faire de l'anglais. Alors rien du tout. Ce n'est pas du tout un problème pour moi de ne pas le savoir parler. Et toujours à l'heure actuelle ça en est pas. Je connais un minimum de mots, le minimum pour comprendre quoi. Quand je suis en face d'un anglais, que je parle pas anglais, ça m'empêche pas de me faire comprendre et de communiquer avec. Bon, certes, l'anglais évite les amalgames, mais c'est pas le... C'est pas le problème. Bon, allez, Zoubi. Donc, j'espère que bah, cette vidéo, qu'elle vous ait plu ou pas, en fait, c'est pas très important, parce que c'est pour ça. Tac, tac, tac. Bon, bah voilà. Allez, Zoubi tout le monde.